Je voulais revenir en fait sur la couperose. Parce que la couperose, hein, c'est un problème qui peut toucher en fait toutes les femmes, mais je dis bien toutes. Alors la couperose, on va en fait chez le dermato, hein, qui va vous enlever ça au laser. Hein. Elle va vous prescrire une crème protectrice, mais vous inquiétez pas. Je vous le dis de suite, vous allez payer, ça c'est clair. Mais ça revient quand même, je vous le dis. Le vent, le froid, le soleil, vous avez trop abusé dans le temps. Ou vous sortez souvent dans le vent, le froid, le soleil. Eh ben, si vous vous camouflez pas, ça revient. Mais ça revient toujours à une vitesse grand V. Ça, c'est également une chose à savoir. C'est un truc, on repasse toujours, toujours et toujours chez le dermato, quoi qu'il arrive. Rares sont les personnes que j'ai vues qui n'y ont été qu'une seule fois, j'avoue. Soit elles restent enfermées chez elles, elles ne bougent plus là. Voilà. Mais ça revient. Ça, bon, héréditaire, non, je doute. C'est parce que la personne soit s'est exposée au soleil trop longtemps, dans les années, en fait, 70-80, en fait, c'était je me tanne au soleil, en fait, plus noir, je suis mieux, plus belle je suis, hein. C'était un peu l'époque, la tendance. Et ben ces femmes-là, la couperose, y, on peut pas, on n'y échappe pas du tout, du tout. Hein. Alors là, c'est le chapeau de soleil. Et puis par le froid, ben, mettre de la crème Nivea bien grasse, ou une autre crème. Bien grasse en fait, qui vous protège du froid. Vraiment une crème bien grasse et une écharpe. Faut pas avoir peur, hein, parce que sinon, là, ici, vous allez avoir en fait de la couperose, ici. Voilà, c'était mon petit message. Voilà, se protéger du vent, du froid. Du soleil. Voilà. C'est tout. Voilà. Et ça, depuis tout petit. Hein. Voilà. Bon, ben, il n'y a plus rien à dire là. Vous savez tout. Allez, encore merci. Au revoir. À plus. Bisous.